Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewie, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. Pardon. Ben, je vais clamser en live, moi. J'espère que vous allez bien. Moi, perso, bon, bah, ça va. On se retrouve pour l'épisode 27, je crois. 27 V3 de Supermarket Simulator. Objectif aujourd'hui, bon, rien. pas d'objectif précis, hein. Bon, ça va être comme d'hab, hein. On va engranger. Soit je vais étendre, soit je vais prendre une licence. Enfin, voilà quoi. Donc, bah voilà. Donc bon, on attend que le jeu se lance. Il a pas crash parce que comme j'étais en train de faire d'autres trucs en même temps que le jeu se lançait à côté de l'ordi, donc bon, sur le deuxième écran, donc ça va peut-être planter. On va voir. Hein. Non, c'est bon, il a pas planté. Attendez, je vais vérifier quel est l'épisode pour être sûr. Mais effectivement, il me semble que c'est bel et bien le 26. Ce PC. Oh, le PC il a un peu de mal là. Non, c'est le 27. Épisode 27. Donc voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai refilé mon ancien magasin à une cliente qui est venue dedans. Et puis, je suis parti sur un autre, quasiment dans la même rue. Donc, voilà ce que j'ai déjà en stockage. C'est déjà pas mal, hein. J'ai beaucoup de magazines, j'ai plein de barres chocolatées, j'ai des produits de base, j'ai des peluches, comme d'hab, des consoles, les Pringles et des jeux PC. Et le magasin, le voilà. Donc les magazines. Tiens, Kara, est-ce que t'es là? La jeune Kara est demandée sur le live du Wookie. On va l'appeler. Non, il n'y a plus de Kara. Donc sinon là il y a les jeux PC. Et mine de 40 balles le jeu quand même. Là, toutes les barres chocolatées. Ici, bah, les produits de base. Mais les peluches, comme d'hab. Les Pringles. Et les Atari. Atari 2006, normal, 2006 Plus. Et la 2006, la 2006 Plus édition Gold pour le 50e anniversaire. Et mine de, hein, 550 balles la console, hein. J'ai embauché Jean-Paul en caissier, Jean-José en caisse automatique et Jean-Hubert en restockage. J'ai une caisse en trop, j'avais pris une deuxième caisse, mais bon, j'ai rien à faire derrière ma caisse, donc bon. Là, j'ai une étagère simple où j'avais mis en premier les Atari, mais elles se vendent trop vite. Et on est au bazar du Wook. Le bazar du Wook qui va ouvrir. Bon, il est encore un peu vide, hein, mais bon, vous en faites pas, ça sera assez vite rempli. Je pense que je mettrai des étagères simples, enfin des étagères classiques et étagères étroites, parce qu'il y a 10 jeux par licence de jeu.
Donc on met 8 sur la première étagère et 2 sur la demi-étagère. Et puis à côté, en dessous, on met 2 autres. Et à côté, une autre étagère avec 8. Enfin voilà quoi. Mais je sais pas où les mettre. Je les mettrai sûrement devant les fenêtres. Est-ce que la prochaine extension du magasin, elle est à combien? Les factures sont faites. Ah bah, je peux la prendre. Elle est à 2006. La deuxième est à 4004. Ouais, bon, on prendra déjà la deuxième. En peinture et à cette peinture, j'ai plus de sol par contre pour le magasin. Donc le magasin, c'est le sol 2. Le sol 2. Sol 2. Marché, fourniture, sol 2. Hey Cédric! On va. Alors, Tiger et Rolling. Oh, ça va, ça va. J'ai arrêté en cours la précédente vidéo, le précédent live, parce que bon, le jeu il me saoule à force, donc ça sert à rien que je live le jeu sans avoir le plaisir de le faire. Je suis pas comme tous les youtubeurs, streamers et compagnie qui font ça quoi. Ils live des trucs qu'ils n'aiment pas spécialement, juste comme ça quoi, donc bon. Moi je préfère jouer à un jeu que j'apprécie, comme ça je peux plus discuter, je peux plus faire de trucs, en appréciant ce que je fais quoi. Ce qui est logique dans un sens, non? Pas trop gelé les fesses. Comment ça? Je suis gelé les fesses ou ça? Client attend de l'aide, m'en faut. Il y a Jean-José qui s'en occupe. Bah oui, je sais qu'il fait froid. Merci, je sais. Le poêle à pétrole, là, il a du mal à chauffer la pièce. Alors, pour chauffer la baraque, c'est encore pire, quoi. Ouais, j'ai vu, il fait vachement froid aujourd'hui, je trouve. Il fait vachement froid. J'espère qu'il fera un peu meilleur demain, quoi, parce que, bah là, j'ai quasiment claqué... depuis ce matin, minuit, on va dire, j'ai dû claquer au moins 10 litres de pétrole. Pas tout à fait, mais pas loin. Rolling. Ouais, on pourrait déjà prendre l'extension du magasin. Il est quelle heure? 3h30. Ok, bon, là il y a encore de la réserve. Le pire, c'est mercredi, jeudi avec de la gelée. Super! Ah, d'ailleurs, il faudra que je voie avec le Titi parce que j'ai un rendez-vous à Pôle emploi jeudi matin. Si c'est pour me geler les burnes en scout, c'est pour la peine. Hein. ESPN. Non, c'est pas sûr. Ouais, je passe plus de temps, je passe tout mon temps dans la journée là du jeu à restocker les magazines. Hop, là, on va s'agrandir. Question, agrandir, hop. Voilà. Info. Ah, ça s'agrandir. Il faut deux loupiottes. Produit, marché, fourniture, 34 loupiottes. Euh,
que j'ai le temps de peindre et de se faire les sols, oui. Bon, ce qui est dommage, c'est que par contre, avec l'autre supermarché, on peut courir. Ça, c'est bien. Mais là, on peut pas. Là. Hop, ça se dégage. Loupiote. Côte à côte, hein. Donc pas grand chose pour la mettre en fait. Hop, nickel. Par contre, je crois que je peux pas en mettre d'autres. Il faudrait que je mette en encore une fois. Non, on peut pas en mettre d'autres encore pour le moment. Hop. Et il y a un Porygon 2 qui vient d'apparaître, Pokémon virtuel, tier B, type normal, stat total 515. Et il fait partie des quêtes de la semaine en poids pour un total de 32,5 kg. C'est pas super éclairé, mais bon. Vous savez quoi, je vais prendre l'autre extension. Ben, ça dépend si j'ai pas trop à restock. Non, c'est bon. On va prendre la deuxième comme ça. On sera pas mal à grandir. Hop, allez, voilà. Par contre, là, il me faudra du sol. Un sol. C'est le 2, hein, je crois. Le magasin 2. Par contre, il me faut une peinture, ça c'est sûr. Peinture, magasin 8. Même deux. Au revoir. J'avais commencé à peindre. Pourquoi ma peinture elle s'est barrée là? Je me suis fait encarotter là. Seul pot de peinture, ça ira. Ah, je me suis pas encore ôté là. Hein. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Il me faut deux sols en fait. Moins, oh la vache, profit total, moins 9100. Duke Nukem a augmenté, la Atari a baissé, pardon.
Ah bah les deux Atari ont augmenté. Donc elle passe de 360 à 320. Et l'autre, elle passe à 656,80. La 416, elle passe à 430. Et Duke Nukem tombe à 39,30. J'ai pas ma cam moi, c'est quoi ce bordel? Pas seulement de faire tilt. Salut! Ok, ça c'est bon. On va commander nos produits. Finir le stock, il me faudrait encore deux lumières, je pense. Ah! Ah, j'ai vu bien que ça va. Cara! Toi qui es une femme! Enfin, je suppose. Les magazines là, c'est des magazines classiques ou un peu olé olé? Le Rolling Stone, le People, le ESPN, bon il y a certains trucs un peu... Le Billboard, le Cosmo, le Tiger et le Vogue. C'est pas des magazines entre guillemets tout public ça. Parce que bon quand on voit le People là, l'autre elle est en sous-vête là. Le SPN là, elle est complètement à Walp. Le Vogue, bah, elle est aussi à Walp. D'accord. C'est des tout public. C'est bon, vu les couvertures. Non, je crois pas. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Parce que bon, quand tu vois un peu la couverture de celui-là, par exemple. Quand tu vois la couverture de celui-là, voilà quoi, j'ai un doute. Hein. Pareil le People, hein, l'autre est à moitié en sous-vêtement là. Ben, à part que je connais pas les autres, c'est tout public. Ah bon? Ouais, d'accord. Ouais, ESPN. C'est bon, le People, quand on voit l'autre là, Naked Tourist Shock the World, Paint of Picture. Bon, le Cosmo, je connais par contre, ça oui, j'en ai déjà vu en magasin. Le Vogue, j'en ai déjà vu en magasin, mais bon, pour moi, c'est un peu olé olé, hein. elle a un peu dévêtue, la demoiselle. Les stars sont toutes à poil, d'accord. Donc c'est logique alors. Ok. Ça me paraissait chelou, mais d'accord. Merci de la confirmation. Bah pour dire, hein, le dernier magazine que j'avais acheté, c'était le Vogue. Parce qu'il y avait un article sur Priscilla, une chanteuse, bah, la chanteuse que j'ai suivie, que je suis depuis le tout début de sa carrière. Ça remonte à... Ouh! À loin. Il faut que j'en prenne deux. Ah.
Ouais, c'est juste dommage qu'on peut pas courir dans celui-là. Voilà. Parfait. Alors, comment on va réorganiser le truc? J'ai envie de garder les étagères ici. Donc je pourrais faire mon bazar. Parce que les petites pluchuises rouges là, je suis obligé de les mettre là. J'ai pas de simple. Ah si, j'ai des étagères doubles. Des petites étagères doubles, mais bon, ça va faire moche quoi. Va faire moche. Parce que ça, j'avais mis sur une étagère simple. Et j'avais mis des autres produits parce que j'avais un peu de bouffe dans d'autres produits. Dans mes licences, j'ai plus de bouffe, si. Gestion, licence. Ah, de bouffe modée, je te parle. DVD, si, il y a les bonbons. Ouais, il y a les bonbons, c'est vrai. Donc je pourrais les mettre dans le coin de bouffe. Et il restera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire, on achète. Non, mais ce n'est pas possible, Wookie. Alors, par contre, l'étagère, je vais la mettre de la même couleur parce que j'ai la petite étagère double là. Hop. Ah bah non, j'en ai pas besoin en fait. Attends. Je vais enlever les plushies. Pas la même couleur. Non, on va les mettre en doré aussi. Ah, on peut pas la mettre en doré. Orange. Ouais, c'est la même couleur. Donc les plushies là. Le problème c'est que dès que je vais les enlever, t'as l'autre qui va se précipiter pour le faire. Donc gestion, embaucher. Je mets Jean-Hubert en pause. Là. Et maintenant je peux faire mon petit bazar tranquille. Bon, je trouverai sûrement quelque chose d'autre à mettre en dessous, hein. C'est pas un souci. Hein. Hop, ça. Ça, ça dégage. Là. Ensuite, là on va le mettre ici. Là, je vais acheter les produits. Il y en a 10, hein, je crois. Donc il me faut un rack de 10. Non, attends. Produits. Donc ça, 2, 2, les déco citrouilles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ok, ensuite, il me faut... Je vais prendre un grand rack en fait, si ça ira. Dans le pire des cas, je pourrais toujours stocker les bonbons sous l'étagère de bouffe. Un grand rack. Un grand rack. Là, nickel. Ouch. Hop, le grand rack déjà. Hop.
Ok. Ensuite, essau. On va les mettre en bas. C'est des gros cartons. Essau. Là. J'ai pas pris d'étagère pour mettre les produits Halloween. On va prendre une étagère simple, enfin une étagère double orange. Hop, là. On va mettre les peluches, hop, tourne. Hop. Et il y a un Doduo qui vient d'apparaître, Pokémon du oiseau, tiercé, type normal vol. Stat total 310, il fait partie des quêtes de la semaine en poids pour un total de 39 kg 200. Non, ça va pas me plaire comme ça. Voilà. Faire un peu plus comme ça. Voilà. Celle-ci. Hop. Ok, je pourrais peut-être la rapprocher encore un peu si. Ouais, si je décale ça en fait. On les remettra comme il faut après. Hop. Ah. Voilà. Ah bah c'est mieux. Nickel. Bah les prangles, ça, on va les mettre ici. Et le duo s'est échappé, personne ne l'a attrapé. Voilà. Ah bah voilà, nickel. Alors, les sauts. Hop. Oh. Hop. Et bonbons. Donc, on va les mettre ici. Voilà. Donc, ça, c'est les Halloween. Et je suppose que ça c'est des oraux. Ah non, c'est les mêmes. Ah d'accord. Hop, voilà les oraux. Voilà. Ensuite, les paquets de bonbec. Je vais aller les mettre aux deux étagères hein, pour ça. Et j'en ai qu'une de dispo là. On va les stocker au-dessus des pluches. Je les mets face à face en haut. Non. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, les citrouilles sont en tête, les citrouilles sont en crâne. Citrouilles sont en crâne. Ah, crâne percé. Les citrouilles avec crâne. Crâne. Là. Les petits
fantôme rond. Ah oui, c'est vrai, ça prend deux places, les petits fantômes ronds. Ça, c'est carré. Hop, voilà. Donc, hop, rouille. Ouais, d'accord, il y en a quatre. Alors, en fait, j'aurais pas assez de place de stockage. J'en ai pris trop. Mal calculé. Oh, hop, ça dégage. Alors, c'est celle que je viens de mettre. Bon, je vais pas trop entasser là-bas parce que ça va foutre la merde. On va ranger proprement les cartons. Voilà. Là, les cartons, ils sont rangés et propres. C'est quoi de ça? Il n'y a plus de place. Et en rayon, il n'y a plus de place pour ça non plus. Et on reste. Oui. Non. Ça. Ça reste là. Ensuite, les sauts. Ah ouais, j'en ai pris trop. J'ai mal calculé. Bon. C'est pas grave, hein, de toute manière ça va vite partir, ça faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça ne sera, ça va pas partir doucement. Non, toi pas pour le moment. Bon, mis à ces trucs personnels, crâne, non. Yeah. Ah oui, en fait, c'est vrai, c'était pas une étagère comme ça que je prenais pour les citrouilles. Pour les machins là. C'était une étagère. Faudra peut-être que je m'en prenne une étagère double. Une étagère étroite, je veux dire. Bon, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Là, il y a les marmites à mettre. Ah. Et les fantômes, le problème c'est que... Déjà pareil, j'ai mal calculé au niveau du stock. Là, je peux rajouter quoi? Bah, plus rien en fait. J'ai un paquet de fantômes ronds et un paquet de fantômes carrés. Il faut que j'en mette en rayon. Donc, oui, il me faut une petite étagère orange. Oui, normalement, c'est la centrale que je prends pour mettre les Halloween. Il faut que je reprenne du fantôme. Un rond, un carré. Un rond, un carré. Donc deux ronds, deux carrés. Produit. Deux ronds, deux carrés. Ah. On va mettre le carré. Rond. Et ceux-là, on les met en rayon.
Voilà. Nickel. Ça c'est rangé, les bonbons sont rangés. Parfait. Alors, faut mettre les prix. Réactiver le restocker. Alors, 6-12, 6-12, 6-32. 6.30. 6-20. 9,70, 9,80, bon on va mettre à 10 hein. 9,20, 9,40. 9,20. 9,28, 9,30, 9,50. 2,70, 2,90. 5,22, 5,40. Parfait. Parfait. Alors, les factures sont bonnes, oui. Et on va peut-être faire un peu de restock des produits les plus importants. Bon, j'ai plus de jeux de PC, donc je vais en prendre peut-être un ou deux. Il y a vraiment besoin. Ah, oui, c'est vrai, c'est 400 balles de carton. Hop, deux. Là, ça va. Les bonbons. On le jack. Là. Un pain de mie, une farine, un choki pic, deux sucres, je veux dire. Ok. 24. Voilà. Hop. Parfait. Jean Hubert, il est reprinté au boulot. Ah, les holo, j'ai pas repris. J'ai oublié de prendre mes plus plus. Oh, j'en avais oublié qu'un en fait. Peut-être dû prendre deux Halloween de plus en fait. Enfin, deux bonbons Halloween. Ça part assez vite, il me semble. Bon, Halloween. Là c'est les Halloween. D'accord. Lui il avait pris un horror mix. Ok, nickel. Ok, nickel. On attend que Jean-Hubert revienne à sa place.
Nickel, on save. Hop. Le petit screen. Ah. Par contre, toi, il faudrait que je te décale. Hop, holo live, pareil. Les pringles. On va caler les deux allées de lumière là. Un peu de place pour mettre l'enseigne au mur. Là. Voilà. Là, il y a un chenizel sauvage qui vient d'apparaître. Pokémon vert caché. Tire B, type insecte plante. Stat total 424. Effectivement, la net. Holo, Halloween, on met un truc Halloween, non. J'ai pas mis de truc Atari. Parfait, hop là. Open the door. Ah, je pourrais même mettre l'entrée ici, tiens. Ça donne par dehors. Ah oui, c'est vrai, j'avais décalé la caisse, moi. Ah, j'ai bien mis les prix, hein. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Et Chenizel, Sandy s'est échappé. Ah purée, c'est un spécial. Ben, je crois que je l'ai en plus. Je crois que j'ai en fait celui-là. Chenizel, Sandy. Alors, je vérifie. Chenizel. Merci de taper où c'est. Bon, merci. Chenizel, Sandy. Non, c'est bon. J'ai Sandy et j'ai Chenizel normal. Oui, ça, le chenizel là, c'est chenizel automne. Et le chenizel classique, c'est le chenizel printemps. Par contre, il faut peut-être que j'arrête un peu de m'étendre et de rajouter des produits. Parce que j'ai qu'un seul restocker. Hein. Et le truc, c'est que tu passes beaucoup de temps avec les magazines. Quoique. Comme il y a plus de produits maintenant, les magazines y partent moins vite. Donc, Vogue, Cosmo. Il a pris les Vogue. Oui. Je prends les Cosmo. SPN, on va en mettre un petit peu. Hop. Qu'est-ce que t'as de plainte, toi? Oh ouais, ça part vite. Les Pringles, c'est bon prix, non? 3, ça fait 25. Ouais, c'est un peu cher, là. 3,60, ça fait... 3,60. Attends, je vais aller directement au PC, ça ira plus vite. This is fucked.
Pringles, 4,30. Ah oui, 4,16. Vas-y, 4,30 c'est bon. 3,40, 3,60, 5. On va le mettre à 3,60. 3,60. 3,60 c'est bon, 3,60. Bah c'est le même prix. Je pense qu'il a gueulé parce que les Pringles étaient un peu chers. Alors, Billboard Tiger. Board encore. Tiger. Spin, on va en remettre un peu. Ah bah, il y en avait qu'un dans le carton. Les racks sont pleins. Ouais, je veux bien, mais c'est quoi? Ah, je ne sais pas c'est quoi. Ou surtout, faut que je le mette. Que j'arrête de travailler, qu'il lâche le carton. Hop. Récupérer le carton. Les citrouilles. Ah ouais. Et à mon avis, il n'a pas fini d'y toucher à ce point de carton là. Là, j'ai combien à stocker là? 2, 4, 5, 6, 7. Ah, écoutez, on va racheter un petit rack de dépannage en attendant. Autant prendre un gros rack, hein, tant qu'à faire. Ça, il servira après. Il pourra servir pour d'autres produits. Parce que il va pas arrêter d'avoir les mains pleines et moi j'ai pas envie qu'il soit tout le temps à l'arrêt. Hein. Ah, bien pas dire, les racks sont pleins. Voilà. Il bosse là ou bien? Oh non mais t'es sérieux? Les sauts. Non, y a pas de place là. Merci. Ouais, il m'énerve. J'ai fait une demi-heure, ce jeu, ça me saoulait. Puis comme j'expliquais, je préfère streamer un jeu qui me plaît et pas être streamer un jeu par, entre guillemets, obligation. Comme beaucoup font, qui streament des tonnes de jeux, alors que les jeux ne les intéressent pas du tout, que c'est juste pour de la vue et du pognon. Moi, perso, je préfère streamer un jeu qui me plaît. Pipo, les Cosmo. Puis c'est un jeu de base pour jouer à deux, bon, au minimum deux ou trois, quoi. Donc c'est pas tellement intéressant tout seul. C'est pour que je joue à plusieurs, le jeu, là, donc... il est pas spécialement intéressant tout seul. J'ai dit people, bordel. Pourquoi je stream pas des masses? Oui.
Bah t'as qu'à streamer sur Minecraft, t'y joues énormément. Tu joues énormément à Minecraft. Ça devrait le faire, non? Oui, j'ai encore craqué le compte en banque du jeu. J'aime pas en solo. Ah non, mais je parle de streamer sur ton serveur. Ton serveur, t'es pas en solo aussi sur Krat là. Sur Krat Moisy, t'es pas en solo. Revu et revu, d'accord. Je devrais dire Minecraft, trop vu et trop revu, hein, dans la, si on le prend dans le sens là. Hein. Les petites roses. Le plus vendu de tous les temps, bah voilà. Et dire, je pensais pas que Mojang, enfin Notch et compagnie, ils allaient s'attendre à un tel essor qu'il y a des millions de téléchargements de ce truc. Je pense pas qu'ils avaient prévu le coup là, hein, je pense. Des petites bleues, des petites roses encore à remettre. Des petites roses. Et des petites bleues. Ah, j'ai un bug graphique. Faut que je relance le jeu. Et regarde, non, ils s'y attendaient pas du tout, et c'est pour ça que ça a été racheté par que ça a été m'a racheté. Ah d'accord. C'est honteux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il cherche la bagarre, le vieux machin là. Prends le fusil pour aller chasser du Wookie. Hey, pourquoi? T'as rien fait le Wookie. Avec tes conneries, j'ai fait crash le jeu. Ah, raté. J'ai fait crasher le jeu. Pourquoi que c'est honteux? Ah bravo! T'as qu'à pas essayer de capturer Kara, jamais personne n'aura, elle est trop rapide pour nous. Tu m'étonnes! Ah vas-y, tente hein toi! Toi aussi Kara peut tenter hein, d'attraper le monde.
Bon, moi, il y a peu de, moi, il y a peu de chances que ça marche parce qu'il faut que je parle assez souvent. Non, je veux pas de prêt. Et facture, ok. Tarification. 5,75, il a baissé le susu. Il a perdu 1 boule 30. Arnaque. 5,70, 5,80, 5,90. Un sneakers à 7,70. 47, 48, 20. Parle plus beaucoup. Moi, ouais, je t'ai eu. Bah moi aussi, je t'ai eu, hein, Des. Et je crois même que tu vaux pas un pet. Des, assis quand même. 7 d'attaque, 11 de défense, 3 points de vie, 1 point spécial et 37% de je sais pas quoi. Et un triopic. Triopiqueux, tir inconnu, type O. Hein? Oh bah ça doit être de la 9G. Stat total 425, effective ball net et fast. Triopiqueux, ils ont de moins en moins d'inspiration. Je disparais. J'ai vu là il y a 2 jours. J'ai eu un Pokémon qui est apparu, un dauphin. Voilà. D-O-P-H-I-N. Et c'était juste un simple dauphin. Un petit peu plus bleu, mais c'est tout. Salut ma belle! Comment va? Comment ça va? Comment qui va l'ancien? Mal? Ah, oh, qu'est-ce que t'as? Enfin, si c'est pas trop personnel. Et GG à Des, Cara, Bebel pour la capture. Ouais, il faut attendre 15 minutes, 14 minutes. Lol, je viens de capturer Mimi. Ah. Ah, et est-ce que c'est un bébel qui vaut le coup ou il vaut pas le coup? Parce que moi, mon bébel, il est pas terrible. Non, je me suis fait ouvrir le vide mercredi. Hein? Qu'est-ce que quoi? J'ai fait ouvrir le beat mercredi. Ok. Visicule biliaire. Oh. Et ça va mieux maintenant? Non, il va se faire opérer. Ah, je me fais ouvrir le bide. Ah ouais! Ah ouais! Ouf, j'espère que ça va aller, hein. C'est pas une opération lourde, ça, non? Ben, je sais pas, hein. Oui et non, tout dépend les jours. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu... Ah oui. On va recharger les pringlés. Les pringlesses. Les pringlesses BBQ. Faut que je recommande des pringlesses, moi. Bon, je vais laisser faire Jean-Hubert.
Veristock. Non. Je crois que je restock à partir de cette étagère. Voilà, à partir de celle-là, oui. Parce que celle-là, c'est juste momentané. T'inquiète, bébé, c'est une opération facile. Mon frère n'a plus de vésicule et maintenant, il bouffe comme un malade. D'accord. Ah bah, ça va alors. Alors, ESPN, Cosmo, Rolling. ESPN, Cosmo, Rolling. Il a pris les ESPN. Donc, Cosmo. Vas-y, bouscule-moi. Rolling. Restock tous les jeux. Déjà, on va restock ça. Bien, non. J'ai claqué 8000 balles en restock. Oui, bon, faut dire, les jeux ils coûtent cher. Pas loin de 500 balles de carton. Mais bon, quand tu as combien des moments qui auront un peu de réserve, ça ira. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai viré à Camdes. Parce que j'ai un truc au bec qui est pas trop bien de montrer. Serpent Isol. Enfin là il est posé devant moi parce que je suis en train de. Hop. Oui, bah oui, bah si j'aurais un vrai magasin, oui, ça serait c'est peut-être pas courant de dépenser autant, mais bon. Si je continue avec tes desserts. Ah ouais, frappe-moi maîtresse. Attends, j'arrive avec Kara et le fouet à clous. Ah, on va peut-être pas quand même les clous, hein, quand même. Peut-être pas, quoi. Et
dans le gros carton là, il n'y a que 4 consoles. Hein. Et Pringles. Pringles vert. Il y en a deux dedans. Ben, en même temps, il a l'air d'apprécier. Ouais, mais non, pas avec les clous quand même. Le fouet, ouais, ok, mais pas les clous. Faut pas pousser Pépé dans les orties, hein. Ni mémé d'ailleurs. Juste des pierres précieuses. Bon, bah c'est pareil. Mon cara, tu viens avec les orties, je viens avec le fouet. Chadig va. je vais contacter la Ligue de protection des Wookiees. Vous allez voir. Je suis un livreur à trois lettres un peu insulte. Je balance les colis. Voilà. Bon, je pense qu'on peut plus trop restocker grand chose. On va prendre un paquet de pâtes. Allez, va ranger. Va ranger Jean-Hubert. Allez, par contre, dans deux jours. Ça marche, ça y est, j'ai ma nouvelle voiture. Ah bah c'est cool ça. Nice, j'aurai moins de problèmes. Bah, tu vois Cara, j'attends toujours mon modo, hein. Il était censé venir en vacances là, mais il n'a pas pu. Ok, sauvegarder. Hop. On ouvre. Open the door. FBI, open the door. Pam 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 pam. Oui, je vous avais dit petite voiture. Ouais, t'avais dit petite voiture, mais t'as pris une Cadillac de 5 mètres de long, non? Idée, ce qui me balance des trucs sur la tronche. Une C4 120 chevaux essence. Un C4, lequel, le classique ou le Picasso? Classique. Les Picasso.
mon avis, allume, voilà. À mon avis, t'as eu une mauvaise expérience avec les Picasso, alors. Oh, tu as défoncé deux Atari, là, d'un coup. Hop. Ah bah il les a pris, nickel. ESPN Cosmo. Non, ESPN et Billboard. Billboard. Un C4, ça va en taille, c'est pas un C8 en taille, c'est raisonnable. Non, c'est toujours en panne du... Ah d'accord. ESPN. ESPN. Et de l'huile. De l'huile et des Haribo, nickel. Huile et Haribo. Huile. Il y a un Riolu qui vient d'apparaître. Huile. 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 Plus en taille 206, c'est légèrement plus grand. Donc un Riolu sauvage qui est apparu, Pokémon émanation, TRB, stade total 285. Et Haribo Aurore. Oui, bah un client attend de l'aide, hein. Il y a Jean Hubert, enfin non, Jean-José qui est en caisse. Ok, ça c'est bien. Jean-Hubert, tu prends les Atari? Je le fais. Hop, il y en a une là. Ah oh oui, bah il en manque plus qu'une. Hop. C'est la motorisation qui fait peur, 120 chevaux essence, c'est pas un biberon qu'il faut, surtout qu'elle a un son de sportif, ça donne envie d'appuyer. Flashbox. Je crois que t'as un peu foiré la commande, Ness. Moi, ESPN. Ah mais décidément, ils les achètent les bouquins de Huck, hein. Bordel, c'est con, j'ai pas eu le temps de balancer cette foutue balle avant qu'il se barre. du péople. Non, ça c'est le Cosmo. Le péople, il est là. J'ai l'idée d'en remettre en rayon. Bah oui, mais bon, si j'en mets pas, il gueule parce qu'il le trouve pas. Ah, t'es Swedes. T'es de tête d'âne. C'est pas le bon carton que j'ai pris. Bon, on va se péter un peu les produits qui manquent là en vitesse. Bon, la fermeture. You just can't help it. No, no,
You'll play along, let it lead you all on. You'll be saying no, no, no. Bon, occupe-toi de mettre en rayon, hein, Jean-Hubert. Moi, je m'occupe de remettre dans l'Irak. Merde, je finis ta phrase de Death qui a pas osé le dire. Oh, il fait son timide là. Il fait son timide là avec, avec ses gros mots, hein. Hein, il fait son timide, hein. Bon, il gêne pas, hein. Voilà. Là, il est le pauvre Calbut, je le plains. Bon, ça va, tant que le Calbut tient pas encore debout tout seul, ça va. Bon, bah, tu peux l'écrire franco, hein, car je te dirai rien. Les VIP, ils ont le droit de se permettre d'autres trucs. Les followers, ils sont un peu limités quand même. Et VIP, ça va. VIP modo. Bon, quand même, en étant raisonnable, quoi. Parce que bon, j'essaye que c'est ça le principal. J'essaye que ça soit à peu près tout public ce que je fais. Bon, même s'il y a le Wookie qui dit souvent des gros mots, mais bon. Il y a le point d'exclamation gros mots, hein, qui est là au cas où. D'ailleurs, faudrait que je remette le son d'origine, moi. Pas de cam pour Death. J'en ai plus, je suis tout à la maison, donc tout nu et pas de tout monter. Ah! Pas de cam pour Death. Non, peut-être pas, quoi. Voilà, quoi. Peut-être pas. On fout, je retente. Ouch. Oh ouais, maintenant, il faut que j'attende 2 heures avant de recommencer. Ouch. Ah, c'est dur à attraper, les caras, ouais. Voilà, il y a eu plein de changements là, j'aime pas. Mes commandes. Configuration sonore. Hop. Bureau. Poser le stream. Son voicebot. Hop. Regarde. Voilà. Qui fonctionne. Death, tu peux tester le gros mot s'il fonctionne. J'ai remis le son d'origine normalement. Ok. Ah d'accord. Et plus de fantômes carrés. Ah, je peux pas l'attraper là, le carton. Non, mais vous êtes encore là, vous?
Allez, zou, zou, hop, 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 hop. Dégage. Le gars qui fout les clients dehors. Alors, bonbons a augmenté, billboard a diminué. Tarification, soit bonbons a augmenté 6,7, 7,20. Et billboard a diminué. Billboard, 21,40, 21,80, 21,60. Hop. Nickel. Bon, au boulot, feignant. Les holos. Hop, toi tu viens ici. Mon petit plaisir de les recharger, les petites bêtes là. Touche pas à mes holos live, toi, où je te tripe. Les gens Uber n'ont pas le droit d'y toucher. Celui qui touche mes hololives, je le vire. les roses, les bleus ciel. Rose et bleu ciel. Ah, il faut que j'arrête d'ouvrir les cartons dans les rayons, dans les racks. Je vais encore être obligé de remettre un carton d'un produit dedans pour mettre le bon item. Je peux l'ouvrir après être sorti des racks. Ah, il y a encore un bug graphique. Les trucs verts là, il y en a un qui traîne depuis je sais pas combien de temps là, de carton. Les bleus foncés. Ok. Bon, il s'occupe de ça, moi je vais continuer. 22. Des paquets de 24. Là, pizza original. Pizza. Un Pringles original. Cheddar. Machin bizarre. Cheddar. Machin bizarre. Vert et piquant.
Ça, on va prendre. D'or. Et il y a un atout sauvage qui vient d'apparaître, Pokémon Mini Oiseau, tiercé, type Psy Vol. Ta totale 320, Effective Ball, Cipher et Feather. En plus, qui est en train de voler sur qui est en train de voler. Ah, Split est sur Stone Runner, Death. Ah, j'en ai pris trop parce qu'il avait le carton en main, l'autre fou. Non, je dis Split, il est sur SnowRunner, Death. Après, on dit que c'est moi qui ai bouché. Ah, ok. Il est live ce soir. Qui ça Ah, Death, s'il fait un live ce soir. Oh non, c'est rien. Seul l'intéressé ferait prendre. C'est moi ou Jean-Hubert il flemmarde là. Et GG pour la capture d'S. Bestio est rentré dans la Pokéball. Pourquoi j'ai pas pris de petits fantômes ronds, hein? Ah, c'est parce que Jean-Hubert il l'avait en main. Donc pas de live, je suis en train de bricoler mon futur NAS. Bon, un bordel informatique, Kara. Même moi j'ai pas trop compris l'utilité du truc. Enfin, oui, non, pas l'utilité, le... Ouais, j'ai pas compris comment ça fonctionne sur Bazar. Oui, en gros, c'est un bordel pour foutre des disques durs dedans, quoi. Le bug graphique là il me stresse là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose mais en fait non. Hop, on save, on va vers le menu, je ne sais pas non plus. Retourne à mes plantes alors. Merde, café froid.
Un ordinateur relié sur Internet que tu peux utiliser pour avoir accès à tes données, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tant que tu as une connexion à Internet. Donc, ça, alors, si tu es chez moi, Des, tu peux accéder à tes données chez toi, alors, c'est ça? Moi, dans mon cas, ce sera juste en réseau local pour sauvegarder mes fichiers, d'accord? Donc en local, donc pour la maison. Je comprends, une base de données perso, voilà. Oui, un NAS sert pour ça. Donc si ça serait un... Feignant. Si ça serait donc un NAS en réseau normal, tu pourrais accéder en étant chez n'importe qui, quoi. J'ai bien qu'il y avait un bug qui prend là. La roue du wiki il a bugué un instant là. Oui, je pourrais te passer n'importe quel fichier de chez toi via une interface spécialement faite pour ça. Ok, ah, donc c'est ce qui me semblait alors. Et que j'avais en partie compris le fonctionnement du bazar alors. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. Est tout rechargé ou pas moi? I hate you, I love you, I hate that I love you. Oui. Don't want you, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I will never be her. Oui, c'est bon. Non, c'est pas les bons là. Ah si. Bon, je vous laisse, on va passer à la table. Ça marche, Cara, bon app. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pull you on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't like that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low, you're still in love with me. On prend les trois là. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't. Il faut plus que je prenne de licence pour un moment avant d'avoir au moins atteint le niveau 22. Si je reprends une licence, là déjà que Jean Hubert il a du mal à suivre, même quand je l'aide. Alors s'il y a encore trop, s'il y a encore d'autres produits en plus, il va devenir fou le machin. Ok, tout est pas mal rempli. Nickel. On est en train d'enlever les machins là. Ok, donc c'est quoi au-dessus? Mickey Way. Sweet dreams are made of this. When I do disagree, travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to do you. Some of them want to be your spam. Some of them want to do you. Je vais peut-être en reprendre parce que j'ai l'impression que ça part assez bien ces trucs.
Butterfinger. Ils sont pleins. Almond. Et Wonka. Twix, Snickers. Des rides. Les butters, on va prendre le tout. Oui, puis on va prendre tout. Hein. Oui, mais du temps lui. Okay.
Ok. Hop. 1h40 de live déjà. Ça passe vite sur ce jeu, c'est horrible. Bon, pas le temps passé avec celui-là. Et il y a un Capitops qui vient d'apparaître. Oh, Pokémon. C'est quelqu'un. Pardon. Pokémon Carapace, tier B, type roche haut, stat total 495, effective ball la net. Et il fait partie des quêtes de la semaine en poids pour un total de 40 kg 500. C'est nul. Alors, je vais aller me faire un kawa, aller aux toilettes. Et laisser tourner le jeu, voir si Jean Hubert est capable de se démerder tout seul. Voilà. A tout de suite. Et je disparais en même temps. Youf. A plus bouqué. Voilà. On va voir si Jean Hubert sait se démerder tout seul. A tout de suite. Capu de Zizik là. Ah. Et j'ai les points capture. Hop. Vidéo mis en pause, je parie. Bah tiens, non. Feeling so faithless, lost under the surface.
You don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every step that I take is another mistake to you. Alors, est-ce que des clients se sont plaints de Jean Hubert? Est-ce qu'il manquait des produits ou pas? Dans la maison, il y a quelqu'un. Le tueur, il va pas répondre. Oui, il y a quelqu'un. Il s'appelle pas Scream, hein. Enfin, il s'appelle pas Scary Movie. J'ai dû virer Jean Hubert et embaucher Jean Rémy à sa place. Ah merde. D'accord. J'ai le poil à pétrole, je me demande si c'est à quoi qui sert le bordel.
C'est que quand je regarde vers le poêle à pétrole qu'il y a la chaleur qui vient vers moi. Bon, on va voir le nombre de produits non trouvés, hein. Donc les deux, elles seront parties, là. Les clients, ça va, il n'y avait pas trop d'attente au niveau des caisses, Death. Genre, les caisses sont pleines, que les clients pouvaient dire. Produits non trouvés, deux. Bon, il s'est démerdé tout seul. Yara a monté, Goura a diminué, les chips crème, oignon ont monté. Donc, tarification. Elle a baissé, elle a perdu 6,20$. Yeah, oh. 21,90$. En 21. Et Kiara a gagné 5,75$. Cool. 1,30€. Enfin, 20,30$. Et les chips, 1,20€. Ok, donc ils sont passés à 4,36$. Hein. 4,30$, quoi. Nickel. Hop. Et pas, je suis sur Crate. Ok, d'accord. C'est censé être un modo, hein. On va lui mettre à hauteur. Voilà. Alors, les bouquins, les magazines. Oh, et Jean Hubert, hein, tu poses un peu. Le patron, il va dehors, il va s'en aider une. Alors, bon. Il n'y a pas de vent ici, c'est quoi de ce bordel? Bon, on va s'appuyer contre la vitre. Voilà. Ah bon, on est passé niveau 20. Encore deux niveaux et je pourrais embaucher un deuxième Jean Hubert. Qu'est-ce que je fais moi comme jeu demain? Parce que bon, je repars pas sur Togeezer, c'est pas la peine, hein. Est-ce que je pars sur un jeu de Switch là que j'ai préparé depuis un bout de temps, depuis deux semaines au moins? Ou ailleurs, ou sur autre chose? Bonne question. Il n'y a pas de nouveautés qui sont sorties. Voyons voir. Aujourd'hui, plus de clubs. Non. Ah. Des loupiottes dans la rue. Permet de personnaliser les paramètres d'éclairage du magasin entrepôt et des lampadaires. Vous pouvez modifier l'intensité lumineuse, la couleur, les angles de spot, désactiver le faisceau lumineux et modifier l'heure à laquelle les lampadaires et les lumières du magasin s'allument. Peut entrer en conflit avec le contrôleur d'éclairage RDC, l'allumage automatique. Ah, ça m'arrange pas. Ouais, bah, plus de clopes, on s'en fout. Produits surgelés. Des en verre, brocoli. Quoi comme.
Little Potato, Little Potato, ouais, il y a trop de Little Potato, des racottes, géants verts, des haricots géants verts, des choux de Bruxelles, ouais, bon, où il a juste pris la marque géants verts, quoi, puis il en a fait un mode. Ok, donc il n'y a rien de spécifique de neuf. Meilleure lumière. Ouais, plus de clopes, produits surgelés. Des meilleures lumières, ouais. Rien d'intéressant. Oh. Et il y a un petit ravi sauvage qui vient d'apparaître. Pokémon maison jouet. RC type normal, pré-évolution de Levenar. Stat total 220, effective ball, heal et nest. Et il ne fait que 24,4 kg. Il lui manque 600 grammes pour être aux 25 kg. Coucou, c'est moi. Bon, Wookie, arrête tes conneries. Ah, mais il a pas bossé l'autre là. Oh, feignant. C'est vrai qu'il y a plus de boulot là à faire. Hein, donc, il est plus lent, hein, ce qui est normal. Petit ravi s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. On va se redresser quand même. Avant qu'il y ait un death qui rouspète le rookie. Alors, Billboard, People, Cosmo. Time, Tiger, ESPN. Time. Tiger. Cosmo, Tiger, ESPN. J'en ai oublié un. Tiger ESPN. Tiger ESPN. Bon, ça me paraît pas trop mal là. Alors, les Pringles. Là, ouais, bah, de tout quoi.
Bon, il est où l'autre là? Non mais t'es sérieux, du Schtroumpf? Il y a plus de pain de mie et ta sœur. Plus de place pour le pain de mie. Ah, il y a ta place. D'or et les bleus ciel. Les verts et les piquants. Je rachète des piquants, moi. Vert. Et piquants. Par contre, il faudrait que je vide les cartons qui sont entamés là. Alors, ça, c'est les pizzas. Ah purée, je peux plus me débarrasser du carton. Bon bah hein. Hop, ça dégage. J'ai un autre bug graphique là, mais c'est pas normal, elle bug un peu la licence Happy Halloween là. Un peu la licence Halloween là aujourd'hui. On est déjà à 2 heures. Et ça passe vite. Ah, ça passe vite le temps sur ce jeu. À vrai dire, je l'apprécie, donc c'est sûr que ça passe vite hein. Les jeux qu'on apprécie, ça passe vite. Les jeux qui nous saoulent, ça passe lentement. Quand j'ai arrêté le Together, j'ai regardé l'heure, j'ai dit quoi, ça fait à peine une demi-heure. Alors que je croyais que ça faisait déjà au moins 1 heure. Oh. Pas tes bugs. Ah, que je fasse un graille. Oh.
Quoique. Là. Là. Putty girls, don't get hurt, can't feel anything, when will I learn? I push it down, push it down. I'm a woman for a good time, call phones blowing up, the ring of my doorbell. Hey, bon. Feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, two. Hop. T'es en train de s'occuper de mes poupées là, t'as de la chance hein, que je t'aime bien Jean-Hubert, sinon je te virerais. On touche pas à mes hololive. Alors les bleus foncés, les roses, les bleus ciel. T'as pris les noirs, les bleus foncés. Je vais prendre les roses. Et il reste plus que les bleus ciel à recharger. Et rouge. Le ciel est rouge. Hop, le ciel. Et rouge. Eh, feignant, au boulot là! Encore des trucs à remettre en rayon! Ok, je vais te donner du boulot le temps que j'aille mettre mon café en thermos. Non, là j'en ai deux. Je reviens, je vais mettre ma cafetière en thermos. Là. Et level up pour on s'en fout, c'est un bot. Hein, on va quand même bientôt arrêter. Hein, je pense que, est-ce que je vais faire le restock et arrêter ou
Je sais pas. On est à 2 heures. Connaissant, je vais encore faire le con et reprendre encore une licence et puis je vais... Ah, non, il faut pas, il faut que j'en prenne seulement une nouvelle à partir du niveau 22, quoi. Sinon, là, Jean-Hubert, il n'arrivera plus du tout à suivre et... Bon, je peux toujours aider, hein, mais bon. Oui, puis merde, on va en prendre une et puis c'est tout. On finira là-dessus comme ça. Et il y a un forge... Forgette. Ah oui, c'est la pré-évolution de Forgelina. Donc il y a un forgerette sauvage qui vient d'apparaître. Tier C, type fée, acier. Stat total 297, effective ball, magnet ball. J'ai déjà Forgelina. Ça a joué sa pré-évolution. Ah, je suppose que c'est sa pré-évolution, il y en a peut-être un entre-temps. Il y a peut-être un autre entre les deux. Genre, comment qu'elle s'appelle Putella, Mesmerella, il y a une évolution entre les deux. Donc, peut-être que Forgerette, il y a une évolution après, et ensuite seulement Forgelina. Bon, dans le cas là, il faut peut-être que j'étende mon stockage parce que il est un peu court là. Mais si j'étends le stockage, j'ai peur de pas pouvoir d'avoir assez pour prendre autre chose. Bon, de toute manière, il y aura un coin Atari, hein, ça c'est clair. J'ai vu, il y a 5 packs de jeux pour la Atari. Et les packs, il y a une dizaine de 10, il y en a même un, je crois qu'il y a 15 ou 16 jeux dans la licence. Et Forgerette s'est échappé, personne n'a attrapé. Ils sont durs à choper les nouveaux Pokémon de la 9e G, de la 9G là. Bon, on va save. Alors, la file des factures, c'est bon. Stockage. Hop. Ok. Ah, la poubelle est profonde, hein, vu tout ce que je mets dedans. Il me faut 2 sols. Marché. Sol, le stockage, c'est le 10. Et bah, il me faut aussi 2 loupiottes. Là, on va dire comme ça. Ensuite, il faudra un rack, je pense. Les gros cartons là, quand on les met à la poubelle, on récupère pas de monnaie. Bon, j'ai l'impression qu'ils disparaissent les cartons là. Je crois que j'ai l'impression qu'ils dépopent. Ils sont balancés dans les escaliers là.
alors que je décale un des machins. Ah, une des loupiottes. Bon, je peux pas mettre celle-là. Hop, voilà. Bon, ensuite, allons voir ce qu'il y a comme licence. Et il faut prendre aussi les étagères qui correspondent, hein, bien entendu. Salut Neko. Alors, on prend quoi? Classique DVD, Studio Ghibli, Walt Disney, PlayStation. Ah oh ouais, tiens, PlayStation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 jeux plus la console. Hop. Donc il faut un rack de 10. Fourniture, un grand rack. Et il faut 10 places. Étagère centrale, je pourrais en mettre une. Mais elle prend de la place. Oh, remarque, j'ai de la place dans le magasin. Si je prends une 8, 9, 10, 11. Ouais, on va prendre une. On va voir ce qu'on a comme place. Oh, je suis en VI3 hein, là. Tu peux le voir. Je suis en version 3 du jeu. Ouais, bon, on va prendre une étagère. Étagère simple. Ouais, une verte comme ça, non. Oh, oh tiens, des deux noirs. Juste passer te faire un petit coup. Bah, c'est gentil, hein. Bah, de toute manière, je vais pas tarder à arrêter là. Je suis en train de remettre un nouveau en rayonnage. Par contre, attends, il faudrait de la place pour mettre les consoles. On va les mettre là en attendant. Faut une catégorie. Hop. Et les produits. Ouch, 1500 balles le carton de PlayStation. Il y a que 8 consoles dedans, hein. Oh, la vache. Ouah. Ah, ça fait mal au derche, là. Ish. Ah, carton, il est bugué. Mais ça m'arrive souvent avec le carton de... Et toi, Neko, ça t'arrive? Enfin, si t'es encore là. D'acheter le panneau catégorie et puis qu'il est bloqué, qu'il est coincé dans la zone de livraison. Ou c'est juste moi qui ai un bug? Ouais, c'est sûrement ça, c'est sûrement moi qui ai un bug. Hein. Bon, comme il n'est pas trop loin à redémarrer le jeu, bon, je peux en relancer comme ça, mais quand c'était par exemple le magasin rétro, là, c'était vachement plus long, quoi. J'aurais pas pu le faire en live, c'était un coup à perdre au moins 20 minutes de live, juste pour que le jeu, il est mort. Alors. Pam, 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 pam.
il est déjà lancé le jeu. Ah voilà. Ah, je peux pas le mettre. Des chaudrons, moi. Alors, Twister Metal. On est au bataillon. Ah, je bande des couilles. Bon, bah, ça, c'est connu. Final Fantasy 5-7, je crois. Diablo, bon ça je connais le 3 seulement. Et Gran Turismo 2. Oh là là, quelle horreur ce jeu. Pénible là-dedans, c'était la connerie d'être obligé de passer les permis pour conduire les bagnoles. Ah ça c'est ce qui m'énervait dans GT2. Marque un Gran Turismo 5, c'est guère mieux. À moins que je confonde justement avec Gran Turismo 5. Voilà. Idèrement. Allez dans les villes 3 Nemesis. Et Tony Hawk. But shit, it was 99 cents. Copping it, washing it, about to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking it, bummy and grudging. Fuck it, man. I ain't stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy. That's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found digging. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket and then I bought a kneeboard. Hello, hello, my H man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe. Game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneaky heads would be like, oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got 20. C'est une araignée qui grimpe au mur, hop, le flow. Looking for a come up, this is fucking awesome. Ça, c'est de la dope, ça va tout en bas. Searching in that section. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass gold from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big.
big ass gold from that thrift shop down the road. Hop. Ouais, Tristan Metal, je ne connais pas. Et il y a un Excellang qui vient d'apparaître. Pokémon Lasher, tier C, type normal. Stat total 385 et il fait partie des quêtes de la semaine au niveau poids avec un total de 65,5 kg. Les tarifs. Et gestion, c'est bon. Tarification. $300 la console. Ouais, il y a 600 dollars de bénéfices à peu près sur la console. Excellent, a été attrapé par DC moi, GG. 42-20. Ouais, ils sont chers quand même ceux-là. 58-20. Ah, Timberborn, mon voisin il est sur Timberborn. 55-56-20. 46-20. 40-40-20. Oui, j'arrondis souvent à 20. 44-20. C'est plus simple par exemple quand je suis en caisse. 60-20. 54-20. Et 48-20. Nickel. Ok. Bien, bien, bien. Hop. Bien, bien, bien. Bon, on va se stopper là, les amis. Je pourrais même mettre, je pourrais mettre une petite étagère au milieu. Oui. Donc, attends, on vérifie si on a encore quelques. Donc, s'appelle. Quelques trucs à racheter. Farine. Non, citrouille chapeau, je l'ai déjà. Il était parti sur ETS2. Qui me coûtait cher, pas les jeux.
Tentez. Bien. Not trying to be indie, not trying to be cool, just trying to be in this. You too. Can't feel where the wind is, can't feel it though. All of the windows inside this room. Oui, j'en ai repris. Ah bah oui, oui, c'est vrai, on reste à peine à peu près une dizaine dans, dans le bois, dans le carton, oui. Oui, la Scorchis, par contre. Ok, nickel. Bah voilà, on va se stopper. Hop. Bon, bon, bah voilà une bonne chose de faite. Hein. Il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr. Chewy, Mr. Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage. Enfin bref, vous connaissez. Hein. Ou ben, me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens sont dans la description, oui pardon, excusez-moi j'étais ailleurs. Sur ce, le Dr Chewy vous dit à ciao babouille, bisous.